Bonjour, je m'appelle Xavier Modin et j'ai rejoint MEC ici il y a 2 ans pour m'occuper du marketing et du développement du réseau. Donc, je m'occupe du développement du réseau et des services aux résidents. Le développement du réseau, ça passe par travailler sur la structuration de futurs projets comme ici Nantes par exemple et plus généralement les services au sein du réseau qu'on est en train de mettre en place. Donc ça va être des partenariats avec des fournisseurs pour avoir des tarifs négociés ou des démonstrations de produits directement sur les manufactures pour les professionnels qui les fréquentent, des services comme la formation pour les professionnels ou des initiations qui permettent à la fois aux habitants à proximité des manufactures de venir s'initier autant à des savoir-faire traditionnels autour du bois, du métal que de la fabrication numérique, de l'impression 3D, du fraisage numérique, de la fabrication de bijoux, bref, tout ce que les résidents en fait ont envie de partager avec les habitants, mais aussi des formations professionnelles comme des formations pour permettre à des artisans de se former sérieusement aux machines à commande numérique, à l'impression 3D, aux technologies du bois, etc., etc. Alors moi, j'ai fait le choix de rejoindre ce projet-là après 10 ans de publicité parce que j'ai flashé en fait sur ce projet de réimplanter des savoir-faire manuels en cœur de ville dans un univers complètement différent et qui me parle quand même beaucoup, notamment fabrication numérique. C'est une aventure assez unique parce que chaque journée est vraiment différente. On passe de tâches qui peuvent être du marketing, du web marketing en ce qui me concerne, à la rencontre d'artistes, d'artisans, de designers qui ont des projets innovants, qui veulent s'installer chez nous et auquel cas on peut apporter notre aide pour les aider à structurer ce projet-là, leur projet à eux et avoir de l'impact. On rencontre des profils à l'intérieur de MEC ici qui sont tous hyper variés en tant que designers, d'ingénieurs de formation, des financiers. Bref, on a une famille hyper cosmopolite et ça, c'est hyper plaisant. Et on est sur des projets à fort impact, puisqu'on le voit tout de suite, nous, quand on permet à des artisans d'avoir un lieu de travail, un outil de production pour que leur entreprise décolle, c'est hyper satisfaisant.